déjà du On a présenté essentiellement des œuvres en deux dimensions, très peu de volume, parce que on a construit un peu l'exposition autour de la grande toile d'Olivier Baudelotte, qui est au fond. C'est une toile qu'on aurait dû présenter l'année dernière dans l'exposition, puis pour des raisons diverses, de scénographie, elle n'allait pas. Et c'est une œuvre qu'on voulait montrer. Ce qu'on a essayé, c'est de, comme toujours quand on fait l'exposition, par des lieux, et puis... C'est une belle salle, c'est un lieu dans lequel il y avait des espèces de petites niches sur le côté qui permettaient de faire des accrochages un peu thématiques. Donc on n'a pas, nous, voulu mettre le pôle sur les artistes qu'on achetait il y a 35 ans. On voulait surtout mettre le pôle important sur les artistes vivants. Donc c'est pourquoi on a fait un mur avec plein de petits formats des gens qui sont décédés depuis 20, 30, 40 ans, certains. Et puis on a présenté des grandes toiles, des grandes œuvres des artistes vivants. Oui, donc, mais en faisant un choix quand même assez difficile parce qu'ils sont nombreux et on a eu quand même un peu de mal. Bon, mais il y a nos petits, bon, je devrais pas le dire, mais il y a quand même nos petits préférés, et ce qui nous a permis de montrer quand même des artistes qu'on aime bien, qu'on côtoie régulièrement et dont on suit le travail depuis longtemps. Voilà un peu le problème, la dimension du problème. Moi j'ai la chance extraordinaire d'arriver à Paris, je devais avoir 14 ou 15 ans, et j'ai découvert presque par hasard le musée d'art moderne de la ville de Paris, le musée d'art national d'art moderne. La même année, il y a eu trois expositions successives qui m'ont profondément marqué. Il y avait Pierre Soulages, les trois frères Duchamp, puis Charles Lapicque. Enfin, Soulages et Lapicque, c'est vraiment le grand écart. Et puis, avec Annick, donc quand on s'est marié, on a commencé à acheter donc des œuvres comme celle que je vous montrais tout à l'heure, là, plutôt des œuvres classiques. Nous, on n'a jamais pensé, en achetant une œuvre, dans 10 ans, la vendra-t-elle prix ou pas. On est toujours acheté sur un coup de cœur, en fait. On a été marqués tous les deux par une exposition qui se tenait, je ne sais plus quelle année, une exposition qui s'appelait l'abstraction lyrique, les années 50, l'abstraction lyrique à Saint-Germain-des-Prés. Et là, ben, on s'est dit... finalement, c'est beaucoup plus accessible que d'acheter des post-impressionnistes, des impressionnistes ou des fauves de qualité. Et en plus, c'est des artistes vivants. Les arts plastiques, il suffit de mettre des gamins devant une œuvre d'art et puis leur demander ce qu'ils voient, même une œuvre très figurative. Et puis on voit qu'il y a au moins autant de lectures que de spectateurs. Et elles sont toutes pertinentes. Tous les coffres, là, c'est rempli de dessins. C'est par dimension, puis par voie alphabétique des artistes. Oui, tout ça c'est Gilles. Tout ça c'est Gilles Gas. La première œuvre qu'on a achetée de lui, c'est celle-ci. Il avait 18 ans à l'époque. Donc c'était vraiment collage, papier abstrait, etc.
Et puis, bon, bah, l'abstraction a évolué. Et puis, c'est arrivé vers ces personnages-là qui sont sortis de l'abstrait, petit à petit. Et c'est un artiste qui est devenu complètement figuratif, qui a fait quelques paysages, quelques intérieurs aussi, mais surtout des personnages. Voilà. Donc, est-ce qu'on continue à acheter la conso? Oui, on continue à l'acheter. Bien, on en a encore acheté. Il a commencé par l'abstrait, et puis la dernière qu'on a achetée, je pense que c'est celle-là. Ça, c'est une belle œuvre aussi, ça. Oui, ça c'est beau ça. Mmh. Mais ça, c'est du sucre caramélisé et fondu. Mmh. C'est extrêmement fragile, mais c'est beau, je trouve. C'est un artiste qui a exposé au Paris, oui. Ça. Bon, il faut que j'achète une cloche de verre, putain, je te dis. C'est Christophe de l'Estang. Toi, je ne me souviens plus de ça, on aurait pu la mettre à la mairie. Oui. Cette... Ouais, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire. Oui, oui.